Alors là, je veux parler de la persécution des religions. C'est quand même fou, hein, de voir que nous avons tous, tous une place sur la même terre et que actuellement, franchement, nous avons tous un dieu. Que ce soit les Chinois, les Européens, les Américains, les Russes, l'Afrique. Nous avons tous, entre parenthèses, le même Dieu, avec des visions de lui différentes. Ça, c'est déjà pas très bien. Comment ça se fait que des musulmans tuent des chrétiens et des chrétiens tuent des musulmans? Comment ça se fait que Israël tue des chrétiens et des musulmans? Alors, d'un côté, il y a le système économique, les relations entre les musulmans et les chrétiens, et les Israéliens, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a des discordes pour les religions. Pourquoi tuer des enfants? Pourquoi tuer des gens qui croient en Jésus? Vous, les musulmans, pourquoi vous tuez des enfants qui croient en Jésus parce qu'ils ne sont pas musulmans? Pourtant, vous croyez même vous-même en Jésus, par exemple. Un simple exemple. Après, il y a plein d'autres problèmes, hein, parce que les religions, d'accord, c'est la même à peu près, actuellement dans le monde et l'époque où l'on vit maintenant. Mais par contre, il y a beaucoup de discorde. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Vous croyez que Dieu, si le Dieu que vous interprétez, il existe, vous croyez qu'il aime ce que vous faites? Vous croyez que la nature est d'accord avec vos problèmes de diable, de Satan? Et toutes ces choses, vous croyez que les arbres, ils font la guerre entre eux, quoi. Ah non, moi je suis un arbre, mon Dieu il est meilleur que toi, toi t'es un saule pleureur, et puis moi je suis un bouleau. Le mien il est mieux. Non, non, c'est pas vrai. Vous comprenez? Je crois qu'ils vivent, c'est ce qui crée la nature. Ils vivent en harmonie, en symbiose avec Dieu, l'univers. Cette petite planète qui est autour d'un immense espace que vous pouvez même pas imaginer. Que l'on peut même pas imaginer. Ils vivent en paix. Ils n'ont aucun problème de religion, ces êtres. C'est vous qui avez un problème. Je crois que vous avez un problème avec votre conscience, surtout. Et avec tout ce qui s'est passé, tous ces siècles qui sont passés, les guerres puniques, toutes ces choses qui sont passées, eh bien, vous avez un problème de conscience. Vous n'osez plus admettre qu'il y a des choses dont vous avez tort. Et qu'il y a des choses qui sont une raison immuable qui existe dans la nature. Alors, s'il vous plaît, changez un peu parce que c'est quand même malheureux. C'est triste. C'est ignoble, c'est inhumain de tuer des enfants ou des personnes qui n'ont pas le même visage, la même forme de visage, de couleur. Tout ça à cause de la religion. La religion. Est-ce que vous savez encore qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes tellement dans un monde où les paroles n'ont plus de sens, on peut dire n'importe quoi, que vous ne comprenez plus rien. C'est pitoyable. Merci. Merci de comprendre si vous y arrivez.